Bienvenue sur le chantier. Aujourd'hui, je vous présente le kit de finition d'Ecolis pour application manuelle de l'outil parfait. Tous les kits de la gamme sont livrés en valise, facilitant le rangement et le transport. Ceux-ci sont clairement identifiables et chaque valise correspond à une étape du chantier. Dans ce kit, vous trouverez 3 d'Ecolis lames souples 24, 40 et 65 cm, une poignée d'Ecolis, un rôle enduit de 22 cm, une perche de 70 cm à 1,40 m et un couteau plaquiste de 15 cm. Nos kits sont conçus pour une application à la perche afin de supprimer le besoin d'échasse, d'escabeau ou d'échafaudage. Notre méthode réduit la fatigue et les risques de troubles musculo-squelettiques pour l'applicateur. Maintenant, passons au concret. Laissez-moi vous montrer comment vous allez pouvoir améliorer votre productivité avec nos outils tout en réduisant vos efforts. L'ensemble de notre gamme est spécialement conçu pour l'application d'enduits prêts à l'emploi et allégés de préférence. Nous vous conseillons dans un premier temps de malaxer votre enduit selon les préconisations de votre fabricant. Nous avons d'ailleurs conçu à cet effet une pale de malaxage qui vous apportera un résultat optimal grâce à son effet vortex qui fera remonter le produit. La pale en plastique permet d'éviter l'apparition de copeaux dans l'enduit. La texture obtenue doit être homogène. Bien évidemment, votre support doit être sec et parfaitement dépoussiéré. Maintenant, nous allons commencer par enduire notre support. Pour cette étape, j'installe sur la perche le rôle enduit de 220 mm. Je règle ensuite la hauteur de ma perche. Nos systèmes de rôle enduit sont idéaux pour ce genre d'application. Leur conception en fibre de nylon permet une charge optimale de l'enduit sur le rouleau et le répartit de façon homogène pour une application sans projection. Je vous conseille de taper au cœur de l'enduit, de le faire rouler légèrement jusqu'à ce que celui-ci soit chargé de façon homogène. Astuce de pro, en cas de rouleau neuf, purgez le rouleau de tout résidu sur une chute de plaque de plâtre. Je vous conseille d'attaquer votre graissage au centre de la plaque. Il vous sera ainsi plus facile de répartir la charge en haut puis en bas. Vous constaterez que la technologie de notre rouleau permet une répartition homogène car il se recharge de lui-même sur les surplus d'enduit, garantissant ainsi une répartition régulière. Si vous êtes seul, je vous conseille d'enduire de petites surfaces et de lisser au fur et à mesure, ce que nous allons faire maintenant. Pour lisser, j'installe la lame d'Ecolis sur sa perche. Le d'Ecolis bénéficie de la technologie Biflex. Sa lame souple en inox trempé adossée au profil rigide en plastique permet une planéité parfaite du lissage. L'ensemble d'Ecolis plus perche est très léger et bien équilibré. Les extrémités de la lame sont arrondies pour éviter les traces. La souplesse de la lame est dédiée aux enduits allégés. Notre lame sans talon permet un lissage pratiquement à plat. Avec cette lame, je peux aussi travailler à la main et ainsi parfaitement maîtriser mon geste et l'effet levier, ce qui me permet d'obtenir une bonne maîtrise de mon angle, et ce, dans n'importe quelle configuration. Grâce à notre rôle enduit et un d'Ecolis, vous pourrez lisser seul 40 mètres carrés à l'heure, et ce, dans les meilleures conditions. Comme pour le collage des bandes, un travail en binôme vous garantira une productivité optimale. Le premier compagnon enduit et l'autre lisse. Afin de vous aider dans vos opérations de lissage, le kit est fourni avec plusieurs spatules qui vous permettront de vous adapter à la plupart des situations. Si le support de départ n'est pas trop mal, une couche suffit, sinon répétez l'opération. J'espère que cette notice vidéo vous aura plu et aura pu répondre à vos interrogations. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des liens dans la description. Et pour voir d'autres vidéos, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne mise en œuvre et à bientôt les pros.